Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomKissé89, on est de retour dans FF8 et pour notre troisième épisode, dans le dernier épisode, on est en train de faire notre examen pratique du Seed. On a eu notre mission de protection pour Dolette, on est engagé par la ville de Dolette pour les protéger de l'armée de Galbadia. Notre but c'était de reprendre la capitale. On a fait ça, Sefer a décidé qu'on allait aller à la tour de communication, suivre les troupes de Galbadia pour chercher le combat puis aller péter des gueules. Et c'est ce qu'on a fait un peu, mais bon, on sait pas encore pourquoi, mais les troupes de Galbadia avaient comme objectif de réactiver la tour de communication. Et on se pousse, on a eu l'ordre de retraite qui est donné pour 19h, 1900 heures en bon terme militaire. Et, on avait moins de 30 minutes. Et ça a l'air que notre retraite sera pas si facile que ça. Qu'on a vu dans le dernier épisode à la toute fin, c'est Biggs qui a activé cette super machine pour nous pourchasser, qu'on puisse pas se sauver de là. Il y a une magie intéressante à aller chercher, mais comme on est timé, je ne vais pas perdre mon temps à la récupérer. C'est super bon, mais on va pouvoir l'avoir un peu plus tard. Carapace qui va nous protéger, je me souviens bien, des dommages physiques. Et c'est, je pense, le monstre à date. C'est pas ça que je vais faire. Attaquer. Il y a une raison pourquoi j'ai mis attaque élémentale d'éclair, c'est pour ce boss là. Parce que c'est une machine, tout le monde sait bien qu'une machine c'est simple, pas l'électricité, c'est sa faiblesse. En tout cas, dans tous les jeux, les JRPG c'est le cas. Donc, Zell peut en même temps frapper super fort et en plus avoir un bonus de dégâts. Vu qu'il frappe de dommages élémentaires. Là, je me suis pas soigné après le combat d'Alvaret, qui est pas une bonne idée. Mais bon, j'aurais été bon pour m'en sauver. Oui, elle est très fragile. Plutôt que de frapper d'à peu près quoi 65 que je faisais la dernière fois. Parce qu'il se met 200 quelques. Boing. Ok, on va faire un attaque avec lui, on va faire un scan parce que je veux faire un scan. Oh, bon, c'est pas le temps finalement. Parce que c'est pas grave, il est à terre, c'est le temps de se sauver, mais je vais le scanner pendant ce temps-là pareil. Donc, 5000 de vie pareil, la veuve noire qu'ils appellent Goliath. L'arme secrète de Galbadia, tant que ses ennemis sont vivants, il poursuit sa course. Il y a manière de le battre, mais il fait face à l'éclair, blablabla. On peut le tuer, là. Je pourrais le descendre, mais je ne le ferai pas parce que je trouve que dans l'histoire canonique, on se sauve. Puis donc il se répare pendant un certain moment, il va être au sol, puis il nous donne du temps pour l'attaquer. Mais bon, on va se pousser. Le but c'est de ça. On a un ordre d'évacuation, c'est ça qui presse. Je vais juste faire de quoi. Pardon. On va soigner rapidement. Parce que j'ai pas fait après le combo. D'ailleurs, c'est une bonne façon, si vous parlez avant cet endroit-là, c'est une bonne façon de ramasser des PDC, des points de compétence pour les GF. De façon infinie. Oh, d'ailleurs. Je peux pas rentrer dans mon menu pendant que je dis ça. Okay, je peux le faire ici. J'ai oublié un truc. J'ai pas mis la bonne chose à apprendre sur Sirène. Ce qu'on veut avec Sirène, c'est créer objet. Non, créer magie médicale. Ça, c'est vraiment essentiel en premier. Ça va me permettre de défoncer le jeu dans le temps. Mais que j'aille mes 30 points là. Il y a manière de... Si je détruis le robot, il va me donner 50, si je me souviens bien, points de combat à chaque fois que je le détruis. Mais, c'est ça. Techniquement, on n'est pas obligé de le faire. Oui, je peux essayer, moi. Je fais quand même assez fort. Je fais magie, food. Puis, je peux le faire en x3 si je veux vraiment le casser le jeu, là. Je fais juste attaque avec lui. Magie, food. Juste pour le gag, je vais le faire une fois pour le montrer. Ouch!
Fessé dessus pendant qu'il est en réparation, c'est pas pire. Puis comme vous voyez, juste pour vous montrer en fait, là, le chrono lui va pas trois fois plus vite. Mais le jeu va trois fois plus vite, donc c'est vraiment, il faut vraiment abuser ces séquences-là. Crush, 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 crush. Cette attaque-là qui fait quand même assez mal, mais ça fait quand même moins mal que les autres. Fichon le camp. Non merci, je veux vraiment le battre. Il doit être sur le bord parce que il y a 5000 de vie. Ça fait à peu près 500 par tour, une dizaine de tours, puis c'est réglé. Mec, t'as 4000. Comprends pas. En tout cas, ciao bye bye. Non, c'est pas ça que je vais enlever. Il doit avoir des touches raccourcies. Puis, il pourrait y avoir des touches raccourcies, je sais pas s'il y en a. Là. Il nous lâchera pas les fesses. Poussez-vous! Et là, il y a certains endroits où on peut l'éviter, justement. Comme ici. Il saute devant nous. Ah non! J'ai été trop loin, mais... C'est vraiment con. Bon, on va pousser la sauce d'abord. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Oui, on va brûler la machine. Ça va bien fonctionner. Le feu contre le fer. Mais ça, il y a manière de l'éviter. Lorsqu'il saute au-dessus de nous, on retourne de l'autre côté. J'ai attendu un peu trop longtemps avant de le faire, si c'est carré. Puis après ça, il va sauter par-dessus nous, puis on retourne vers la plage et on peut l'éviter. J'ai chié mon coup. C'est la première fois que je manque ça depuis. Je ne sais pas combien de fois. Ouch, ouch, ouch. As-tu le bord de tomber en panne? On se casse. Fichons le camp! Allez, poussez-vous! Là, je sais pas parce qu'il est en avant de moi. Fait que là... Ah! Il est rentré en avant de moi. J'ai pensé l'autre bord. Va-t'en, man! Va-t'en, va-t'en, chier! Bou, 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 va-t'en! Pas trop effrayé le chien, il s'en fout. Lui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut juste vraiment frapper beaucoup plus fort pour réussir à le détruire. Parce que pendant qu'il se répare, il gagne des points de vie, je pense. Une affaire de même. Mais il y a manière de le faire, mais il faut juste être beaucoup plus haut niveau pour être beaucoup plus fort. Mais après, ça va être beaucoup plus haut niveau. Mais... Ah ouais, équipe C, poussez-vous, mais vous avez eu le temps de vous pousser depuis longtemps, nous autres on était rendus à l'autre bout de la ville. Un autre glorieux moment où le jeu transfère, mais là ça a comme beaucoup lagué, mais c'est pas être plus fluide que ça.
Super machine tueuse qui est pas considérée l'élévation apparemment. Elle a manqué de marche. Cool, petit gars, cool! Il est où ton gunblade dans tout ça? Equistis, save the day. Une raison de plus d'aimer cette jolie demoiselle. Eh ben là, c'est qu'un machine gun, c'est-tu? Faites-la pas chier. Et voilà, on a réussi à se pousser. Mission accomplie. On sait pas trop en fait. Safer! Regin et Fujin. Fujin et Regin. Honnêtement, je me souviens jamais lequel est lequel. Je pense que Regin c'est le gars, Fujin c'est la fille. J'ai une chance sur deux d'avoir raison. Tout le monde est sain sauf. Oui, c'est ça. Fujin c'est la fille. Ce qui est drôle, c'est qu'elle parle pas vraiment en anglais. Elle genre. Elle fait pas de phrase. Elle a juste un mot. On dirait qu'elle crie parce que c'est écrit en gras. Fait que j'ai toujours comme imaginé que c'était une fille un petit peu. Genre, pas nécessairement muette, mais qui a de la misère à parler, genre. Bon, revenez avant la nuit à la BGU. D'ici là, vous avez temps libre. Rompez. C'est bon, quartier libre. Hey! Ils sont poussés avec le char. J'hallucine, quel égoïste! En avant pour la marche à pied. En avant marche! Ça peut être un bon moment pour jouer aux cartes. Cependant, je ne le ferai pas aujourd'hui. Je vais continuer l'histoire. Puis, de toute façon, ça m'empêche pas de pouvoir le faire un moment plus tard dans peut-être le prochain épisode. Ou l'autre d'après. On verra bien. Parfait. Je suis comme pas mal revenu au même stade où j'étais dans mes anciens enregistrements, ce qui me fait plaisir. Bon, comme je disais, les stats les plus importants, magique. Pour ce qui est des choses qu'on peut apprendre, là, parce que c'est marqué O en gros à côté, ça veut dire que c'est une association. Je sais plus que vous m'entendez dire HPJ, parce que j'ai l'habitude de le voir en anglais, c'est HP Junction. Donc, c'est plus des HPJ. Je suis en train d'apprendre de la force sur Vigueur sur Shiva. HP sur Ifrit. Fait que je vais avoir deux personnages que je vais pouvoir booster leur HP. Ce qui va faire arriver super fort en tandem avec cette habilité-là. Et j'ai 5000. Ça va parce que à la version anglaise, Christis nous dit à ce moment-là, il dit bon, vous avez quartier libre. Elle dit si vous voulez, vous pouvez passer. Vous pouvez faire un meeting, un debriefing d'équipe. Vous pouvez aussi aller vous acheter des souvenirs au gift shop. Là. T'es comme. Ok, il n'y a pas vraiment de gift shop, il y a un magasin d'items. Puis c'est ça qu'on va faire. On va aller. Oh my god. Le coup que j'avais pas pensé. Hypropotion. Les noms. Oh my god. MT. Anulco. Ok. Ça, c'est les Phoenix Down. Pourquoi ils ont changé les noms? Lazic. Diffigeur. Ok. Boca. Obénine. Forge à peine. Le Red Cross. Rétabli HP. Annule. Attaque. Il faut que je reprenne les noms des items parce que j'ai tout. J'y reconnais tout pas. Tout l'inconnu pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle les tentes. Il aurait pu appeler ça des tentes. Pourquoi la Red Cross c'était si important de changer le nom? En fait, je vais tout passer mon cash là-dessus. Puis vous allez comprendre plus tard pourquoi. La petite demoiselle qui est là, on va revenir la voir dans l'épisode des cartes.
Et je parle, il y a des gens avec qui je parle pas, puis c'est voulu. Maman, je suis là! Maman Dinch, la mère de Zen. Quelle surprise, ce sont tes amis. Ici, c'est moi. Ici, c'est chez moi. Alors, soyez polis avec ma mère. Sinon, je vous casse la gueule, bande enculé! Ok. Il est très poli, Zen. Faites attention à mon Zébulon. Jesus Christ. C'est une perte toute virilité, maintenant. Ils ont tous des petits nicknames de même, ils ont le don. Fait que c'est la maison chez elle. Puis là, on va aller dans sa chambre. Hey, Squall, c'est ma chambre là-haut. Mon sanctuaire, interdit d'entrer. Ok, ok. On n'ira pas dans ta chambre, là. Merde, là, j'avais prévu, comme dans l'épisode, d'aller dans sa chambre. Mais non, c'est des blagues. je savais qu'on peut pas rentrer dans sa chambre. Je sais plus quoi faire. Petite madame ici, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mes pauvres mains, elles se mettent à trembler. Je crois que je vais avoir un... C'est quoi cette voix de merde-là? J'essaie de faire une voix de petite vieille, mais en tout cas... Je crois que je vais avoir du mal à continuer la pêche. Parce qu'elle est en main, c'est sûr, elle parle super fort. Autrefois, j'étais le meilleur. Ah, c'est un monsieur! C'est un pêcheur! Les poissons, j'en prenais 20 par heure. Le chat s'en souvient bien. Good for you, dear. Il est d'accord. Il a dit qu'elle a dit. Ok, cool. Bon, ok, ben c'était rien de plus intéressant à me dire. C'est tant pis, c'est pas grave. On va quitter Balam. On va aller tout de suite retourner à l'université. On ne flânera pas. On a une bonne marche à faire. C'est des blagues. C'est pas bien long à faire. Petit truc, si vous voulez éviter les combats, puis suivre les routes dans le jeu. Sur la route, on peut pas de poignée de combat. C'est vraiment cool, les petits détails qu'ils ont mis dans le jeu, qui ont genre pas rapport. Mais que, c'est comme, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est intéressant. Alright, we're back! Ouh! Ah. Ouais, moi tu sais, c'est ça que j'avais de faire, Zen, aller me coucher. J'ai eu tout fatigué, c'est pas facile. Je suis dans le déménagement ce temps-ci. Bon, j'imagine qu'on attend le résultat des épreuves. À plus tard, Squall. À tout à l'heure, Squall. Squall. Squallichou. Bon, j'ai dû utiliser des figures. Faut qu'on va juste rentrer comme ça. 8 soins. Pas mal juste les magies de soins que je vais me mettre à utiliser à la fin. Encore, il y a des options autres que ça. Je pense que je vais aller au... Je crois que je vais simplement... 3 petits points. Ok, cool. Ouais. Je veux dire, je peux jouer aux cartes avec lui, mais... J'ai l'impression qu'il me manque de quoi, mais c'est parce que justement j'ai skippé la passe où je joue aux cartes avec à peu près tout le monde. Ce qui s'en vient bien vite. Et là, je me fais tout le temps voir. Je vais aller au point de sauvegarde, mais je peux pas! Mission accomplie, je crois qu'on a fait du bon boulot. Les candidats sont tous rentrés sains et saufs, non? Le plus important, les enfants sont venus en santé, en sécurité. Sauf que nous n'avions pas compris que l'armée galbadienne visait la vieille tour satellite. On ne sait toujours pas pourquoi. Nous venons juste de recevoir un message compté de Dolette. L'armée galbadienne a accepté de se retirer à condition que la tour satellite soit réparée et réactivée. Ce qu'ils ont fait eux-mêmes anyway, là. Gracieuseté de Biggs et Wedge. Ben, Biggs surtout. Bon, en tout cas, Galbadia ne nous posera plus de problème. On aurait pu se faire plus d'argent si ils avaient continué à faire du grabuge. Belle pensée. Hey, tu t'en es bien tiré. Merci, man. Tout à fait, c'est mon meilleur élève. Je suis le chouchou de Quistis. Yay! Yeah! Mais bon, il n'est pas très causant. Cool. On va bientôt annoncer le résultat des épreuves. Reste par ici. Cool. Je reprends l'acide. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas sur le champ de bataille? J'étais à l'aise, paniqué à mort. Rien de spécial. Oui, que j'étais à l'aise. En fait, combat, j'aime plutôt ça. C'est ça l'esprit combatif. Mais ne te laisse pas dominer.
No shit, Sherlock. Là, on est un petit peu. On trouve une façon de nous bloquer pour aller dans la bonne direction. Comment ça s'est passé? Eh bien, si je n'avais pas seulement le dos chronique. Oh, arrête, tu dis ça à chaque fois. Ben. Mal en dos. Oui, moi, tout, j'ai mal en dos. On est vieux, tu sais. On n'a pas tous 17 ans. Et on allait discuter avec notre cher rival. Tu as entendu pour la tour satellite de Delette? On serait devenus des héros s'il n'y avait pas eu cet ordre de repli stratégique. Tu cherches que la bagarre. Ma très chère instructrice, quand il dit ça, là, il est tellement sarcastique. Il se dit qu'il l'aime pas. Vous me blessez. Vous me blessez. Hey, elle a juste un an de plus vieux que toi. Elle a quand même doué ton vous. Là. En tant qu'ex-prof viré, je vous déconseille de me critiquer. Faire, tu n'es pas encore tiré d'affaire. C'est sous ta propre responsabilité que tu as quitté la zone de combat. Comme j'ai expliqué dans le dernier épisode, Squall a accepté de le suivre parce qu'il savait très bien que, bon, ben, s'il y avait de quoi, c'était le chef d'équipe qui a pris la décision qu'il allait payer pour. Hein? Parce qu'on a désobéi aux ordres. N'est-ce pas le devoir du chef que de choisir la meilleure option? Tu ne seras jamais un cid et encore moins un chef. Bye-bye, motherfucker! Elle aussi, elle a du caractère avec Zou. And Safer is mad. Ça, c'est un clameur. Laisse-moi y parler un peu. Safer! Oh, là, tu vois, il est comme un peu plus réceptif. Tu répondras de tes actes devant le conseil de discipline lors d'un combat. Nous devons tous respecter le code d'honneur. C'est dommage, tu avais un potentiel. Je veux pas faire de vous des machines de guerre. Je veux faire de vous des soldats qui pensent et agissent par eux-mêmes. Je suis trop petit point. Proviseur. Instructeur. C'est un membre de la faculté. C'est un peu différent. C'est pas un instructeur en tant que tel. C'est pas un professeur comme Quistis. Vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre bureau? Il y a tant de choses à faire. Il y a comme une petite tension entre la faculté et Sid. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Je suis toujours quand t'inquiète? Non. Le Sid n'est pas un organisme bénévole. On ne doit pas agir au-delà des termes d'un contrat. Cet incident servira de leçon au royaume. Trop lire, ça me fait bailler. Au royaume de ça leur apprendra à être plus généreux quand ils engagent des cibles. Oh. Les étudiants ayant participé à l'épreuve de terrain aujourd'hui doivent se rendre au premier étage. Je répète, les étudiants ayant participé à l'épreuve de terrain doivent se rendre au premier étage. Ok, c'est le temps d'avoir nos notes. J'ai jamais compris qu'est-ce que Regin et Fujin faisaient là. Parce qu'on les voit pas pendant le. Pendant la chose, pis. C'est pas clair si c'est des futurs seeds, si c'est des seeds. Tu sais ce que Fujin raconte, que si Safer ne devient pas un seed, ce sera de ta faute. Elle me fait flipper parfois. Oui, elle est un peu fâchée. Ah. Ils vont annoncer les résultats, je stresse pas mal. Et toi? Ouais, pas mal, ouais. Mouais? Tu peux te parler, toi? Non plus. Elle veut pas me parler. Come on! Je vais toujours faire les 100 pas avec toi, Zem. Tu m'as, je peux marcher, hein? Ouais. Tap, 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 tap. Un autre. Ah, voilà. Il était temps, Sti. Dinch, c'est Dinch. Quoi? Génial! Yeah! Allez, à plus les deux. See ya, motherfuckers! Squall, Squall, équipe B. Et il me dit même pas mon nom de famille, c'est drôle. C'est Leonard, by the way.
Ah non, c'est super. Ils disent Evdinch, hein? Ils disent pas Squall Leonard. C'est bien triste. C'est tout. Rompé. Juste deux. You bunch of losers. Stay here. On n'est pas juste deux. Parce qu'il y avait plusieurs endroits de rencontre, apparemment. Ah, c'est un Templier, celui-là. Ok. Les traductions sont un petit peu bizarres. Donc, c'est ça. On peut voir Selfie à gauche et un autre inconnu, le deuxième à gauche. Ce sont les quatre étudiants ayant réussi l'épreuve d'aujourd'hui. Il y aura d'autres épreuves, évidemment. Félicitations aux jeunes gens. Dorénavant, vous êtes membre du CID. Vous allez parcourir la Terre entière. Balam est fier d'offrir au monde le CID, l'élite des mercenaires. Un CID est un guerrier. Toutefois, le combat n'est qu'une des multiples aptitudes d'un CID. Un jour, vous découvrirez, trois petits points, professeur, l'heure de la réunion approche, faites court, je vous prie. Encore là, il veut fermer la gueule. Le CID constitue un atout précieux pour l'université. Sa réputation est intimement liée à chacun d'entre vous, que votre conscience vous guide. C'est tout ce que vous vouliez dire, monsieur. Hein? Bien sûr, c'est ça que j'allais dire. Voici les résultats de l'examen. Pas tout à fait ce qu'elle nous dit, elle nous révéler quelque chose d'intéressant, mais il se fait un peu couper. J'ai de fermer sa gueule un peu. J'attends la fête avec impatience. Et oui, Selfie va organiser un événement. Tâche de faire de ton mieux. Si je me souviens bien, son nom c'est Nida. Qui est une référence à un des commandants dans. Un autre personnage qui s'en fait. Son nom est une référence dans Star Wars. Essaie de maîtriser tes émotions, Zen. Obviously, calme-toi et t'abarrache. Bravo, un adepte du Gunblade. Puis c'est drôle, ils sont tous au garde-à-vue. Puis si je me souviens bien, il y a des moments où tu peux regarder puis voir Selfie un peu gigoter. Ou ses ailes, parce qu'il est un peu hyperactif. C'est vraiment un petit détail très cool. Pour avoir été au garde-à-vue longtemps, des fois. Tu sais que des fois, c'est pas facile de rester immobile à l'infini. C'est tout pour l'adoubement d'essayer de romper les rangs. Regarde, elle est fucking happy. Je peux-tu parler à mon ami là? Non, ok, je peux pas parler pour ça. Non, mais j'aurais dû parler à Sid. Après 17 ans de galère, me voilà aux portes du bonheur. Quoi, Sid? Quoi, c'est quoi? Il ne dit même pas son nom. Un jour, je dirigerai cette fac. Ça, c'est son but, lui. He's kinda gonna have it. Ok. No spoilers! Squall, on retourne en cours. Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais bien que c'est obligatoire pour chaque nouveau seed, non? On doit tous faire un discours en classe et ensuite, c'est le bal de la promo. Yeah. Seed. Oh, c'est fun là. Confrontation! Oh. Non? Il est en fait très... Il nous félicite, c'est merveilleux. Et on a notre résultat de notes. Oh, c'est plutôt ordinaire. Comportement 50, jugement 50, attaque 0. Je sais pas qu'est-ce qui... Intelligence 50, manière 30 points. Ok. I guess, manière, c'est probablement parce que la manière que j'ai interagi avec Selfie, je l'ai aidé, les interactions que j'ai eues. L'attaque 0, c'est peut-être parce que, bon, j'ai pas fait tant de combats que ça. Comportement, des compagnies, tout ça. En tant que seed, vous serez payé à intervalles réguliers. Comme je disais, on a un salaire maintenant. On est un seed! C'est vrai! Votre salaire sera déterminé par votre niveau de seed. Il y a manière d'augmenter le niveau. Je vais montrer ça peut-être dans un autre épisode. À moins que j'aie le temps, mais je pense pas. Ça va devenir long. Je vais essayer de ne pas faire des trop longs épisodes. J'ai comme une idée de où est-ce que je commence, puis où est-ce que je finis, mais combien de temps ça va prendre entre les deux. C'est une autre histoire. C'est mon uniforme de seed. Eh oui! You look chicks, man. Ça te va à raver. On va voir si nous autres, ça nous va aussi bien, notre uniforme de seed. Qu'on va porter malheureusement très peu longtemps. Oh yeah! Non mais le look! Et j'aime vraiment à quel point on voit super bien sa grosse cicatrice dans sa face dans cette version-là.
Ça me va pas mal, hein? T'as des idées, t'es cute, t'es. T'es cute! Super introverti squall. On se ramasse dans un gros party, puis il se ramasse tout seul à boire dans un coin. Même s'il a 17 ans, écoute. Correct. Champagne. 17 ans. Ça se colle. Alors, on fait partie du CID maintenant, t'es heureux? Ah, j'aime la traduction qu'ils ont faite là. C'est vraiment top. Même déguisé en CID, c'est toujours le même. Un vrai guignol. Allez, salut l'introverti. Bye, hyperactif. Isaël, tu veux faire partie du comité d'organisation de la fête? Désolé, j'ai un rendez-vous important. Allez, à la prochaine. Bye! Je vois. Mais c'est Squall! Tu veux entrer au comité d'organisation, ce sera utile. S'il te plaît. Et je suis toujours gentil avec Selfie, fait que je dis, ça fait plaisir. J'ai l'impression que tu te dépenses beaucoup pour ça. Tu es d'accord? Ça change probablement absolument rien à l'histoire. Ça va peut-être juste augmenter un peu ma cote pour mon niveau de seed, je sais pas. Je sais qu'on va être assez pris par le seed, mais la fête, c'est important. La fête. Le festival. Oh, but who's that? Je trouve ça très décevant, par exemple, qu'il n'ait pas refait les cutscenes. Tu es vraiment le plus mignon ce soir. Et ça, c'est un méga mime. Parce qu'elle dit ça, elle dit genre, t'es le gars le plus beau de la place. Puis avec la. Avec l'image de 1999, genre hyper pixelisée ou fuck all. Tu danses avec moi? Laisse-moi deviner, tu ne danses qu'avec tes amis? J'ai compris. Regarde-moi bien dans les. Tu vas m'aimer. Okay, c'est drôle comment ils l'ont traduit justement. Tu danses. Elle normalement dit quelque chose comme tu danses seulement avec les gens que tu aimes. Puis là, elle dit tu vas m'aimer. Elle essaie de t'hypnotiser. Ça y est, tu es ensorcelé. Je trouve ça drôle, lui. Je ne laissais pas danser. Allez, tout ça, très bien. Je cherche un cavalier, je ne vais pas danser toute seule. Ça a l'air vraiment d'y tenter solide. Il danse à peu près aussi bien que moi. Ok, peut-être un petit peu moins. Sauf qu'elle prend plus vite que moi, ça c'est sûr. Je suis en train de me demander c'était qui ce dos-là. C'est probablement personne, mais. Là, j'aime à m'imaginer que c'est Nida. Puis tous les gars du CID sont en uniforme, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas aucune fille du CID qui est sur le plancher de danse. Quoi, les filles ici ne dansent pas? C'est pas comme s'ils mortaient, ils mettaient pas l'uniforme. On a vu Selfie en uniforme. On a vu Quistis en uniforme. C'était plus facile à animer, I guess. Toutes les gars. Les filles en robe. Pas compliqué. T'es vraiment un bon élève. Même cette danse était parfaite. Pas au début, en tout cas. Mais il apprend vite. Le temps d'une toune. Esti, puis il est rendu un dieu de la danse. Oh là là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux?
Tu refuses de me parler alors que tu danses avec une inconnue. C'était un hasard. Tu es ma formatrice et je suis ton étudiant. C'est un peu embarrassant quand on n'a rien à se dire. Il y a un petit peu. C'est un peu awkward. C'est plutôt asocial, tu sais. J'étais timide moi aussi. Bon, j'allais oublier. Je me fais vraiment perdre. Tu me fais vraiment perdre mes moyens, quoi. Oh, elle est vraiment altise à côté, genre. Mais elle a un petit quelque chose pour ce quoi. Mais ça va être expliqué pourquoi un peu plus tard, mais. En tout cas, j'étais venu te donner un ordre. Nous devons nous rendre tous les deux dans la zone secrète. Oh, c'est mystérieux, zone secrète. C'est l'endroit où les étudiants se retrouvent après le couvre-feu. C'est dans la salle de combat. Que veux-tu faire là-bas? On va sanctionner les élèves pour violation du couvre-feu. Ouais, c'est ça. C'est ta soirée de party. On va aller faire de la discipline. Je veux pas m'en occuper. Je laisse ça au conseil de discipline. J'ai crampé ma gueule. Écoute, va changer et retrouve-moi devant la salle de combat. Allez! Des questions? Mettons ton combat et devant la salle de combat. Cool. Je veux juste voir si elle dit quelque chose. En tant que soldat, tu dois obéir. Ok. Elle dit quelque chose comme c'est ma dernière ordre. Ça va être ma dernière ordre. Changer et rentrer et rendez-vous à la salle de combat. Pourquoi? Because, man, c'est Quistis. On va sauvegarder ici. On va terminer pour l'épisode ici. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on fait un peu de qu'on roule de toute façon. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se voit dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, où est-ce qu'on va aller rejoindre Quistis. On va changer. On va rejoindre Quistis. On va savoir qu'est-ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut avec nous? Est-ce qu'elle va nous agresser dans l'endroit secret? Ou on va voir. On va savoir. Alright, c'était donc c'est Gagnon, j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien. Et ciao! Astique ta scar, ta cicatrice est hot, man.